Salut à tous, nous voilà à Akihabara, ou Akiba pour les intimes, la mecque des animés et du gaming, le rendez-vous des Tokyoïtes geeks et otaku de tout poil, la destination indispensable de tout amateur de culture japonaise. Akiba, c'est des immeubles entiers remplis de figurines et de jeux vidéo, et des cosplayers dans la rue à perte de vue. Bon, aujourd'hui il pleut, donc pour ce qui est du cosplay, c'est râpé. Le thème du jour c'est parapluie et manches longues, et faudra faire avec. J'arrive là-bas vers midi, et le premier truc que je fais avant d'attaquer les magasins, c'est me poser au restaurant. J'aurais pu m'arrêter au très populaire Gundam Café, mais je connais pas bien la série, et toutes les références me seraient passées par-dessus la tête. À la place, j'ai juste pris un grand bol de riz et de poisson, et un peu de soupe miso. Je pense commencer par visiter l'anime center juste à côté du restaurant. Manque de bol, ils ont mis la clé sous la porte il y a 2 mois. Tant pis, ça me laisse davantage de temps pour fouiner. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que sur Akiba, même si les rues sont bondées de magasins, il n'y a pas tant de choix que ça. La moitié fait dans l'électronique pure et dure, et le reste cherche surtout à attirer les touristes avec des vitrines entières remplies de figurines dédiées aux mangas les plus populaires à l'étranger. Mais si vous cherchez des titres un peu moins connus et un peu plus anciens, c'est pas gagné d'avance. J'ai traversé des dizaines de magasins en espérant trouver n'importe quoi qui se rapporte à Gun, un de mes mangas cultes que je conseille à tout le monde, et il y avait à peine un vendeur sur 5 qui savait de quoi je parlais. Mais après, c'est difficile de savoir à l'avance sur quoi on va tomber, et faut avoir un minimum de recul pour comprendre que ça dérange pas grand monde, que le hentai et les figurines lolicon peuvent être disposés à la vue de tout le monde, juste à côté de Mario et de ses mignons compagnons. Heureusement pour les vieux de la vieille, comme à Nakano, on peut encore compter sur la chaîne des Mandalakés pour espérer dénicher des petits trucs sympas. Et là encore, entre Alien, SOS Phantom, Firefly ou la figurine de Bruce Willis dans le rôle de... Les fans de vieux animés et de cinéma auront de quoi faire. Ils ont même des figurines Bioshock pour s'amuser à exploser la tronche des Splicers comme dans le jeu, j'imagine. Par contre, faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte et de chercher absolument partout parce que le rangement des figurines est plutôt aléatoire. Là par exemple, chaque sachet contient un petit jouet, et vous vous amusez même pas à compter, on y est encore demain. Il y a des rangées Gundam, des rangées Dragon Ball, il y en a plein d'autres comme ça répertoriés, mais ces petits jouets Dynasty Warriors là quasiment introuvables de nos jours, et ben ils étaient dans un énorme rayon marqué autre. Et moi, comme un gros fada, j'ai vérifié tous les sachets de la rangée un par un. Enfin bon, comme on dit au Japon, quand on aime, on ne compte pas. Allez, une petite dernière pour la route. Si vous n'avez pas le temps de fouiller dans toutes les boutiques d'Akiba pour récupérer des souvenirs, vous pouvez toujours aller au Don Quichotte, un supermarché qui s'étend sur plusieurs étages et qui propose des tonnes de choix, plus ou moins bon marché, plus ou moins de bonne qualité et plus ou moins de bon goût. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir que le marketing japonais n'a aucune limite. Parce que Resident Evil, je connaissais les jeux, les films, les figurines, à la rigueur les mugs et les tasses à café, pourquoi pas. Mais le curry Resident Evil, ça je m'y attendais pas du tout. Mais sans déconner, c'est quoi la prochaine sortie? Les cornflakes? Ça croque sous la dent, c'est vraiment succulent. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette fois, dans la prochaine vidéo, on fera l'expérience assez déconcertante des Maid Café. A plus tout le monde!